Salut Paul-Étienne. J'ai été capable de travailler pas mal sur le GP35 aujourd'hui. Et puis, tout fonctionne comme je voulais. Sauf. Et puis ça me laisse un peu en désarroi. Les LED des ditch lights. Il reste allumé pour quelque raison. J'ai aucune idée pourquoi. Il me reste à juste fouiller un peu plus là-dessus pour savoir pourquoi que ça fait ça. Par contre, tout fonctionne. Je t'ai mis, comme tu me l'as demandé, beaucoup de momentum. De toute façon, je vais te faire une démonstration tantôt de qu'est-ce qu'il y a avant et arrière. Donc, tu vas pouvoir juger par toi-même. Alors, pour le moment, ben, c'est ça que c'est le seul petit hic qu'il y a, puis je vais te montrer ce que je veux dire par là, une fois que je vais avoir terminé de te montrer toutes les tout ce que j'ai réussi à faire. Alright? On va checker ça. Ok, on va commencer par le devant. Donc, on y va. Changer de direction. Je ne sais pas si tu es capable de voir, mais le ditch light côté engineer ou plutôt côté conducteur est allumé. Ça se voit super bien quand il fait noir, mais ça se voit pas très bien quand il fait clair comme ça. Fait que c'est ça que c'est, man. Je dois t'avouer que je suis quand même assez fier de ce que ça donne. J'espère que tu as apprécié la première vidéo.
Donc, Paul-Étienne, j'espère que tu es satisfait. On va l'essayer quand je vais te la livrer. Si t'es pas satisfait, moi je le suis, fait que on va faire plaisir de la garder à la tienne.